Chers échevins et conseillers communaux, chers membres des associations, mesdames et messieurs en vos titres et qualités, chers concitoyens, c'est un exercice particulier de vous adresser mes vœux en ce début d'année encore confiné. Les vœux que je prononce aujourd'hui se veulent pourtant résolument chaleureux malgré la formule numérique qui nous tient à bonne distance physique. J'en profite pour remercier le service communication de la ville qui a permis ce moment. J'aurais aimé vous recevoir, comme l'an dernier, au cœur de la salle de théâtre du Centre culturel. Nous nous serrions la main, bavardions avec légèreté dans l'attente que les projecteurs s'allument, consommant ensuite un rafraîchissement. Se rassembler, s'embrasser, trinquer, partager un moment, des gestes a priori anodins et qui nous manquent tellement aujourd'hui. J'ai l'audace d'espérer que bientôt, nous pourrons y revenir progressivement. Cette année 2020 aura été particulière à plus d'un terme. La Covid a surpris tout le monde depuis son arrivée sur le territoire de Côte-Noire-Noton en février. Notre ville aura été une des premières villes belges et wallonnes touchées par la crise, à cause notamment de notre proximité avec les grandes villes régionales françaises et flamandes. Nous enregistrons, très malheureusement, le premier décès de la Wallonie. 2020 nous a tous affectés, a mis à l'épreuve notre routine et nos habitudes et, pour nombre d'entre nous, a donné un coup de frein à nos projets. Certains ont perdu un être cher sans avoir pu l'accompagner dignement dans ses derniers instants de vie. Certains ont perdu leur emploi, temporairement ou définitivement. D'autres ont été contraints de fermer leur enseigne, ont vu leurs revenus fortement diminuer. Certains ont vécu la solitude, certains ont dû abandonner leur projet ou ont vu leur rêve brisé. 2020 aura, heureusement, aussi amené son lot de bonnes nouvelles. À Côminoir-Noton, qui compte aujourd'hui 18 086 habitants, nous avons pu accueillir 523 nouveaux arrivants, enregistrer 172 nouvelles naissances, 44 mariages et 39 cohabitations légales. Des chiffres qui nous rappellent que même sur fond de pandémie, la vie et l'amour l'emporteront toujours. Je suis convaincue que face à une crise de cette ampleur, deux possibilités s'offrent à nous. Soit subir la crise comme une fatalité, un événement face auquel on ne peut rien faire, ou bien réagir en s'adaptant avec créativité et optimisme. Je ne suis pas fataliste et j'ai choisi la deuxième solution, faire de la crise une opportunité pour s'adapter et réinventer ensemble notre quotidien, notre ville. Vivre en s'adaptant momentanément. Lors de l'année écoulée, nous avons vu émerger de nombreuses solidarités. La mise en place des kits de couture masques, une première en Belgique et très vite copiée par de nombreuses villes européennes, a permis en période de rupture de stock de se protéger en attendant les masques du fédéral qui tardaient à arriver. Grâce au travail de couture de centaines de citoyens, notre première ligne, nos médecins, notre personnel soignant, puis les travailleurs de différents milieux, ont pu bénéficier d'un masque de fortune leur permettant de se protéger d'un virus alors méconnu. Cela restera un moment marquant de l'année 2020 et sans conteste de mon Majorat. Les semaines et mois qui ont suivi ont vu se multiplier les initiatives solidaires et sociales. Des petits gestes d'aide entre voisins pour les courses, des appels téléphoniques, des courriers envers nos aînés isolés. Une aide bénévole dans les structures de soins, des brochures à destination des aînés par les services clubs, des activités adaptées par les comités des fêtes pendant les vacances. Une aide bénévole dans de nombreuses structures, des soutiens envers les commerçants et bien d'autres. Je suis une bourgmestre fière et comblée d'observer ces nombreuses mobilisations qui avaient toutes un seul objectif, vaincre collectivement le virus. Lors de l'année écoulée, de nombreux projets ont quand même pu être menés. Des réalisations nouvelles ont vu le jour grâce au travail de nos équipes communales et aux collaborations avec la région Wallonne.
Je laisse à les chevins moutons la difficile tâche de les énumérer et vous en aurez un aperçu dans le diaporama qui suit. J'épingle particulièrement les chèques de 10 euros temporairement suspendus pour permettre à tous nos commerçants d'en profiter dès leur réouverture. Chaque habitant de Comines-Ornoton recevra un chèque à dépenser dans nos enseignes locales. Je profite pour témoigner de tout mon soutien envers nos commerçants lésés. Consommons local afin de maintenir nos cœurs de ville dynamiques. J'ai, en ce début d'année 2021, une pensée particulière pour chacune et chacun d'entre vous. Que 2021 puisse voir arriver un peu de soulagement, le retour de nos libertés que nous chérissons tant, le retour de la normalité. J'ai espoir que la vaccination permettra de retrouver un train de vie normal rapidement. Et comme nombre d'entre vous, j'attends aussi impatiemment de recevoir le vaccin. À l'heure où notre commune figurait parmi les premières à être atteinte par le coronavirus, grâce à vous, chacun d'entre vous, Comines-Ornoton a pu se redresser et réagir dans le bon sens. Et je vous en remercie. J'ose croire que 2021 nous apportera quelques perspectives réjouissantes, à condition que chaque citoyen s'engage dans la voie du respect des mesures sanitaires, de la sécurité de son prochain. En attendant, c'est avec émotion que je me dois de faire un pas de côté durant quelques semaines. Comme vous le savez probablement, notre petite famille s'agrandira dans les prochains jours. La Belgique protégeant la maternité, je suis donc dans l'obligation, comme toutes les mamans, de me mettre en retrait des impératifs mayoraux pour le repos de maternité obligatoire de 9 semaines et confie à mes colistiers Didier Zout, qui deviendra bourgmestre faisant fonction et Chantal Berthoud échevin, la tâche de cette transition temporaire. Les engagements de la majorité seront ainsi continués grâce à leur implication encore plus intense dans la vie publique. Permettez-moi de terminer en vous adressant, mesdames, messieurs, chers concitoyens, mes meilleurs vœux pour vous ainsi qu'à celles et ceux qui vous sont chers. Soyons toutes et tous attentifs pour faire de notre vie à Comines-Ornoton un parcours convivial. Aspirons ensemble à une année fructueuse, enrichissante, ponctuée de succès. Mais mes plus petits, tant sur le plan personnel que professionnel. À tous, prenez soin de vous et bonne année 2021. Mesdames, Messieurs, après un 2020 tellement particulier, après cette année vaine et en ce début d'année 2021, je tiens vraiment à vous souhaiter mes vœux les plus sincères de très bonne santé, de bonheur et de réussite dans vos foyers et vos familles. Aujourd'hui, la santé est le maître mot que nous souhaitons excellente à vous toutes et à vous tous. Comme le disait Madame la Bourgmestre, la vaccination est plus que nécessaire. Elle est vivement conseillée. Je dirais même, elle est indispensable. Si nous voulons retrouver une vie normale empreinte de liberté et de joie partagée.
J'ai l'intime conviction que tous ensemble, nous pouvons arriver à retrouver très rapidement une vie normale au sein de notre communauté frontalière de Comino-Harneton. Cela passera inévitablement par des efforts encore, et aussi par certaines privations, hélas. Mais surtout, ça passera par une vaccination systématique et de grande ampleur. J'appelle par mes voeux les plus sincères à ce que toute la population accepte librement et sans polémique ce vaccin. Ce vaccin contre le Covid-19 a été étudié et fabriqué selon les normes les plus strictes. Il a été validé par les plus hautes autorités scientifiques au niveau mondial. Et il est, à juste titre, recommandé par le monde médical et le monde scientifique. Même si vous pouvez douter parfois des décisions prises par le monde politique depuis le début de cette crise sanitaire sans précédent, ne perdez jamais confiance au système de santé auquel nous avons tous droit. Je souhaiterais encore évidemment plein de très bonnes choses à vous toutes et à vous tous pour cette nouvelle année, mais j'ai choisi délibérément de me limiter à ce seul point. Vaccinez-vous, s'il vous plaît, afin que nous puissions tous retrouver rapidement le bonheur de se retrouver physiquement et présentiellement. Je vous souhaite une très bonne année et une très bonne santé. Chers concitoyens, en ce début d'année 2021, j'ai l'honneur de m'adresser à vous pour vous souhaiter une très bonne année. Malgré les épreuves survenues en 2020, il faut regarder vers l'avenir en cherchant courage, sérénité, espoir. Des lueurs ponctuent une actualité sombre. Les vaccins se distribuent dans la population. Il est important de regarder autour de soi avec logique et analyse. Cette crise nous apprend tout à coup l'importance de ce qui semblait normal jusqu'ici. Rentrer dans un magasin, demander conseil, attendre son tour, donner la main aux gens qu'on connaît. Voilà que la maladie donne une nouvelle valeur aux choses. Si nous profitions de cette occasion afin de voir mieux qu'avant le bonheur au bord du chemin. Les petits magasins de proximité, les boulangers, les bouchers, poissonniers et autres marchands et distributeurs de services qui peuplent nos paysages urbains, qui font que la ville est ce qu'elle est. Que la ville soit ce qu'elle est dépend finalement beaucoup de nous. Les personnels de notre commune, dont les missions sont de servir les citoyens, de faciliter leur vie, sont présents pour vous. Et c'est le moment de dire à quel point c'est une joie de pouvoir apporter bonne ambiance, soins, propreté, services multiples qui se rendent au quotidien. Dans ce contexte si particulier de crise Covid-19, nous vous demandons de ne pas baisser la garde, de rester pragmatique et solidaire des plus faibles dans votre entourage. Gestes barrières, masques, distanciation, discipline de tous les instants sont les seuls moyens que nous ayons de lutter contre un ennemi silencieux, invisible, qui se laisse tellement bien oublier. Tout cela n'empêche pas la vie de poursuivre son cours. Et autour de nous, les chantiers avancent, les décisions se prennent, nos fonctionnaires obtiennent des subsides. Nous restons vigilants, actifs et motivés plus que jamais pour faire de notre ville un lieu de partage, de culture, d'initiative et de rencontres tous azimuts. Je veux signaler toute une série de travaux effectués durant cette année 2020. Installation de 18 points d'apport volontaires pour les déchets ménagers, rénovation de la sacristie de l'église de Comines, aménagement d'un chemin dans le jardin de l'église, réfection des trottoirs à Bavarneton, au Bizet, aux 5 chemins sur des kilomètres, entrée du musée de la brasserie, aménagement de l'ancien arsenal des pompiers, finalisation de la rénovation de l'hôtel de ville à Varneton, réfection de multiples voiries, réfection de la rue des Trois Chênes et du chemin de la Cerisaie avec égouttage, travaux sur les accotements de la RN 336 à Ploegsteert, sur le rond-point de Ploegsteert également, désenvasement du quai Verboeckhoven à Warneton, rénovation de la plaine de jeu à Houtem et création
d'une nouvelle plaine de jeu rue Fosse-Saint-Jean. Expertisation des travaux à réaliser dans les églises, préparation d'un pont sur la Douve, embellissement thématique des espaces en centre-ville, classement de l'église de Warneton et d'un périmètre de protection autour, sécurisation du chemin de fer, achat de très nombreux véhicules neufs, obtention aussi de nombreux subsides pour l'isolation dans les écoles, obtention de 350 000 euros pour le soutien à l'indexation des travaux à la MJC, obtention d'un subside de 25 000 euros en faveur de la protection des batraciens, obtention d'un subside à la construction de 18 points d'apport volontaires, subsidiation de projets de sécurité routière, sensibilisation afin de gérer les déchets, subsidiation d'une aide technique à la surveillance des points sensibles, accompagnement du chantier de la LIS, subsidiation de l'installation de bornes Wi-Fi, candidature au projet de Wallonie cyclable, multiples plantations d'arbres, d'alignements, de haies, de parterres, gestion totalement innovée des cimetières, rénovation électrique de la salle de musique à Outhem, collaboration multiple entre les services et les structures de l'organisation communale. Nous sommes fiers d'avoir des équipes aussi polyvalentes et capables de faire face en toutes circonstances. Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, j'ai l'honneur de vous souhaiter avant tout une excellente santé. Mes meilleurs vœux de courage, de créativité, d'ouverture aux signes positifs que nous sommes en droit de voir se profiler à l'horizon 2021. Bonne année à vous tous. Mesdames, Messieurs, chers habitants de Comines-Warneton, Madame la Bourgmestre, Messieurs les échevins, chers collègues de travail de tous les jours, avant tout, je voudrais vous souhaiter une bonne année 2021 et surtout une bonne santé. Ensuite, je voudrais m'adresser à vous, chers citoyens. Cette année a été pour nous tous une année très difficile, où la crise sanitaire nous aura tous perturbés, que ce soit par la maladie, par la perte d'un être cher. Elle nous aura tous mis à l'épreuve devant des moments de période sombre. Mais elle nous aura donné une grande leçon de vie, celle où l'un sans l'autre, nous ne sommes rien. En cette nouvelle année 2021, de nouvelles épreuves nous attendent, où seule la solidarité mutuelle et le respect des règles pourront nous offrir un avenir meilleur. Nous devons tous ensemble faire un ultime effort afin qu'après la pluie, vienne le beau temps. Bien que durant cette année, nous ayons fait des promesses, comme vous pouvez le comprendre, suite à diverses urgences, celles-ci ont pris un certain retard. Mais qu'importe, la vie et la santé de notre population passent avant tout. Malgré l'ensemble des épreuves, nous avons agi en interne afin que tout soit prêt au moment voulu. En matière de projet, j'en retiens un, celui de l'avenir et celle de nos enfants, où sans eux, nous ne sommes rien. Une nouvelle salle des sports verra le jour afin que nos progénitures puissent assouvir à leur passion. Pour les plus petits, un plan a été mis en place. Nous déciderons de créer plusieurs plaines de jeux dans diverses communes de notre entité. La nouvelle zone modifiée du Bizet, comme vous le savez, prendra vie dans les prochains mois. Mais comme je l'ai dit à plusieurs reprises, celle-ci ne restera pas figée et comme une promesse reste une promesse, par la suite, une étude sera mise en place afin d'optimiser ce projet. En ce qui concerne les indépendants et les commerçants, je peux leur promettre que plusieurs plans sont sur la table depuis le mois de mai et que nous attendions le moment opportun pour la mise en place via des chèques habitants de 183 000 euros et via des aides aux commerçants locaux pour soutenir le poumon de notre ville. En ce qui concerne les villages les plus excentrés, vous avez pu voir que nous avons étudié de placer des distributeurs de pain, d'autres verront le jour d'ici peu. En ce qui concerne notre groupe, le Mouvement Citoyen Indépendant,
Même si nous ne sommes jamais mis en lumière par les médias, sachez que nous sommes un partenaire fiable et constructif lors de tous les projets de cette ville. Cette année, vous, les citoyens communois, vous serez sans doute les premiers à avoir l'occasion de participer à des projets qui vous tiennent à cœur, puisqu'un budget participatif a vu le jour, un comité de citoyens sera constitué. Vous avez aussi pu participer via diverses réunions citoyennes, zones bleues, chemins et sentiers, et pour divers travaux dans vos quartiers respectifs. Pour terminer, je voudrais réitérer mon souhait premier, celui de vous souhaiter une bonne santé, puisque sans celle-ci, rien n'est possible.